Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est Verxius et on se retrouve pour une toute nouvelle technique Kama sur Dofus. Alors c'est une technique Kama de farm, donc elle est vraiment énorme. Ça va être farm les Wabbit squelettes sur l'île des Wabbit. Donc pour drop des os de Wabbit squelettes qui valent 10 000 Kama U. Donc je vais directement co mon second perso pour vous montrer les prix. Donc vous allez voir les prix, donc squelettes. Donc il est 12 h 30, je vais faire une demi-heure de farm, vous inquiétez pas. Je remettrai la vidéo à la fin du farm. Donc os de Wabbit, 2 squelettes. Donc ça coûte 10 000 U, 130 000 Lidis et 140 000, 400 000, 1 400 000 les 100. Donc c'est vraiment énorme. En plus il y a vraiment beaucoup de chances de drop. Si vous êtes en team à 8, ça va très très vite. Donc vous voyez, donc 10 à 14% de chances de le drop. Donc c'est vraiment immense, donc il faudra enchaîner les Wabbit squelettes, donc vous allez voir. On va faire un combat ensemble et après je vais faire pendant une demi-heure et je vous remettrai la vidéo. Donc il est 12 h, il est 21 h 30. Je vais farm jusqu'à 22 h. Donc il y a deux Wabbit squelettes là, donc on va faire le combat ensemble. Donc faites gaffe les mobs aggro, donc si vous irez pas. Donc on va directement farm. Donc on va faire le châle, hein. Franchement si vous faites le châle ça apporte toujours plus. Donc vous allez voir, je pense on va drop minimum, je vais drop minimum un os. Donc là je suis tout seul, donc quand vous êtes à 8, vous faites par combat presque 140 000 kama parce que vous droppez. Dès que vous faites le châle vous êtes presque sûr de dropper. Donc ouais, je vais mettre ça. Donc vous allez voir. Donc cette technique elle est vraiment exceptionnelle. Il n'y a pas beaucoup de monde en plus qui farm. Pas beaucoup de monde connaît ces techniques. Donc vous allez voir, attendez. Je vais. Et mince, bon c'est pas grave. Je vais essayer de faire vite. Voilà. Donc normalement ils vont mourir. Voilà. Donc je passe. J'aimerais juste dire que je n'ai pas de panneau, donc c'est normal si je n'ai pas un vrai Rox, puisque je suis surtout en panneau pour la vidéo. Ouais, bon, non, je vais tuer lui. Donc c'est ma deuxième vidéo ce soir, donc franchement j'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà, on a drop déjà un os de Wabbit squelette en 1 minute 42, donc 10 000 kama directement. Donc je vais farmer pendant une demi-heure, donc il reste 27 minutes. Donc je vais couper la vidéo et dans une demi-heure, je vais faire que de farmer, et je vais vous montrer le drop à la fin. Donc re les gens, donc il est 22 h, je viens de faire les une demi-heure de farm, mais bon j'ai pas eu extrêmement de chance, mais bon je suis tout seul et j'ai eu quand même 14 os de Wabbit. Donc là il y en a pour 210 000 kama juste avec les os. Donc et on a eu aussi 40 dents de Wabbit et on va direct aller voir les prix. Donc pour une demi-heure de farming tout seul, 200 000 kama, imaginez à 8 persos. C'est vraiment, mais vous faites énormément de kama en très peu de temps avec ces techniques. C'est vraiment une technique full farm. Bon, elle est moins bien que mes précédentes techniques que je vous ai montrées sur ma chaîne, mais bon, si vous n'avez pas de kama, avec cette technique, vous pouvez vraiment partir de zéro et vous faire des mines d'or. Donc, on va faire Wabbit. Ouh là là, attendez, Wabbit. Donc, on va commencer avec les moustaches de Wabbit, donc j'en ai une, donc 100 kama, donc ça vaut absolument rien. Alors, os de Wabbit squelette, donc 130 000 U, 130 000 la dizaine, donc on va le mettre. On va mettre les 10 à 129 986 kama. Voilà, un kama moins cher. 9485 U. Donc ça doit valoir un peu cher, je pense, le crâne. Ah bah attendez. On n'a même pas besoin, on fait mode vente, vous voyez, et le prix. Ah non, il y a vraiment. C'est vraiment pas cher. Donc le prix est affiché là. Donc on va mettre 996 kama. Ouais, bon, voilà, c'était à peu près tout sur la technique que je voulais vous présenter. Donc,
Vous pouvez farm vraiment avec cette technique, vous pouvez partir de zéro et arriver à vraiment beaucoup beaucoup avec. Donc il n'y a vraiment que les os qui rapportent, après le reste ne coûte vraiment rien à part les crânes. Et vous pouvez aussi faire des crafts avec. Donc surtout avec ça vous pouvez venir au craft Cocawatt qui vous téléporte directement à côté du donjon Wobbit sur l'île, ce qui vous évite de faire tout le chemin pendant une demi-heure. Donc il vous téléporte exactement ici, sur non, au-dessus du 24-14. Donc il vous suffit d'aller à gauche, en bas, à droite, et vous êtes au donjon. Donc ça coûte 40 000 Kama, cette petite potion. Donc j'espère que cette technique, cette astuce Kama Farming vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like à ma vidéo. Allez, ciao les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus, plus!